Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, mais je cuis. Donc content d'inaugurer un premier jeudi de glandouille sur 3 à la suite, sachant que le troisième sera férié, ce sera le jeudi 15 août. Donc là je vais enchaîner. Alors je ferai pas les matins sauf le 15 août. Je ferai pas le jeudi prochain, je ferai qu'à partir de 14h. J'essaierai d'être, on va dire, productif d'une manière large du terme. De manière large, faire le. Pourquoi j'ai pas le plein écran? Pardon, ça va fenêtrer anormalement. Oui, je prendrai mon time qu'à partir de 14h, paisiblement. Moi, ça permettra de me faire des bricoles virielles le matin même. Bref, voilà, on reprend State of Decay. Excellente découverte. Encore merci, bisous à Torota qui me l'avait offert. Je crois savoir. Hein. Je sais plus où j'en suis. Vous êtes adorable, vous me gâtez trop, je sais plus, je suis perdu. Bref, voilà, vous le redevinez à l'image. Atmosphère post-apocalyptique en milieu zombie. Un grand classique vidéoludique. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce registre. Je sais plus du tout où j'en étais dans le jeu. Alors, je suis au tout début. Mais au niveau stratégie, je sais plus du tout où j'en étais. Alors, c'est bien, j'ai plein d'armes. Je me barricade avec plein de trucs. C'est ses limites s'il faudrait pas que je conçoive un nouveau placard à réserve, parce que finalement je finis par excéder ma capacité de stockage là quasiment. À part les armes à feu. Mais waouh, extraordinaire. Et là du coup je fais quoi? Oui, alors pas de webcam pour le moment. Je vais peut-être en mettre une en soirée, on va voir. Mais comme je cuis, voilà, je vous confesserai être actuellement dans ma tenue d'Adam. Y a eu un orage sur Nancy ce matin, léger mais efficace, avec une bonne trompe d'eau. Ça, heureusement, ça a rafraîchi l'atmosphère, mais voilà, je suis entre des murs où il y a un gros décalage. Le temps de changement de, on va dire, de climat se fait dans la longueur. Tiens, pourquoi c'est ouvert ça? Dangereux. Et bref, je suis encore en train de, j'ai envie de vous dire, de cuire au bain-marie là. Alors le conseil c'est, alors le moral est bas parce qu'il y a de la tristesse et de la peur. Pourtant j'ai remonté le moral hein. Ils étaient tous en dépression à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Sam, I didn't see you at service last Sunday. You didn't see anybody at service last Sunday, Will. Nobody goes to those things because the rest of us are too busy trying to stay alive. You and Lily and the rest do a good job seeing to the needs of the body. The way I see it, it's my job to see to the needs of our souls. By sitting in an empty room with the Bible, hoping somebody'll show up? That's pretty sad. Lily. How many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup, just in case a hungry person showed up? Yeah, well, that was different. How so? Most of those days I was hungover. Ah! Elle avait la gueule de bois. Oh mon dieu. Alors, comment ça va, ma grande? Hey. Ah, battez quelques zombies, bavardez un peu. Ouais! Come on. Quit moping around. I need your help. Happy to help? Mais ouais. On va ouvrir la voie. On va se remonter le moral. Allez-y. Eh ben, on va faire la maison la plus proche. Allez-y, viens. Faut prendre des risques dans la vie. Même s'il y a des zombies. Things look kind of bleak, huh? Yeah. Seems like we can't catch a break. Okay, come on. Okay, génial, elle a une énergie. Oh, vas-y que je défonce le portail.
Cette femme est folle. Ah, zombie. Oh, magnifique! C'est Miss Gros Calibre qui est sur la tourelle. Le tir était superbe. Dommage qu'on puisse rien tirer au super balou. Alors, oh, on y va à pied, on n'a pas besoin de bagnole, c'est juste à côté. Ah, la berline qui est en flamme depuis X heures. Mais ça se répare pas? C'est dommage. Hein. Oh. Magnifique. Bravo. Putain, il y a une longue portée là. Attends, on va éviter d'être poursuivi par des zombards. Non, non, non. Je voulais pas ouvrir la porte, malheureuse. Alors là, t'as fait le truc à pas faire. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas rentrer ici. Je voulais juste m'assurer qu'en extérieur, on n'aurait pas pu suivre. Eh bah dis donc, j'ai plus d'endurance moi après une telle baston. Chibidi bidi 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 chibidi bidi yeah yeah. Mm-hmm. Ouais, je vais forcer l'ouverture. Ah, c'est toujours ça de pris. Ouais, il y en a deux. C'est une pièce intérieure, apparemment. Pas sûr. Je sais plus comment on fait pour consommer le médoc. Je dois avoir une touche. Je sais plus laquelle. Hmm. Bon, là je présume que bah oui, zombie. Bon. Alors, c'était cette baraque. Ok. Now we're gonna kill some zombies the old fashioned. Nettoyer la zone. Alors que l'homme a tout attaqué. Par deux fois. Ça va, t'en sors? Pas des effets de la même couleur. C'est l'une qui est chaud. Oula, il y a des bugs de collision dans la rig, c'est important. Bien. Excellent travail en coopération. Alors oui, attends, on se calme parce que pour prendre son souffle. Bah, il y a des choses à fouiller ici. Il y a même un véhicule. Je pense qu'on va rentrer en véhicule. On va faire la collectionnite. On va garder ça dans le parking. Ça pourra toujours servir. Ouais, là on gagne un sac à dos. Sac matériel de construction. Okay. Ouais, je vais laisser la clé ici. J'en aurais pas besoin pour le moment, on sait jamais ça pourra servir. Ouais, on ferme la porte.
Je sais pas, il y a un idiot qui nous a repéré apparemment. Looks like trouble up ahead there. Bien vu, bien joué. Encore? Oh, mais alors. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Il y a des idiots qui vont arriver. Si, il va passer par la fenêtre. Il m'a repéré, non? J'assume, il va voir ma coéquipière. Oh, une hache. Pas mal. Oui, sympa. Ouais, on va paisiblement faire le tour de la baraque, s'emparer de la bagnole, et puis voilà. C'est comme ça qu'on fait. Magnifique, j'aurais pas mieux fait. Ah, sympa la petite bagnole. Enfin, petite. C'est des renilles, hein? C'est carrément un corbillard à l'américaine. Alors, comment je fais pour repasser par la bonne route? C'est toujours un véhicule de gagner, et ça, c'est pratique. C'est par ici. C'est rigolo de dégommer un truc de boîte postale. Comment ça, une horde de zombies? Oh! Ah oui. Okay. I think we're done. You did good. I know things were looking pretty good. Just try and remember. Ah, le jeu est logique. C'est agréable. Thanks for the pep talk. It helped. Thanks. Ah, tu vas avoir à tirer, moi je te le dis, hein, vu la horde. Alors, il y avait un truc dans le véhicule. Éviter. Oula. Ah, j'en connais qui va s'amuser. Ah, le moral est quand même bas à cause de la peur. There you go. Don't say I never gave you anything. Plus 15 matériaux de construction. Ah, bah, c'est cool. Oui, pourquoi les barrières ont pété? Je comprends pas. Je crois que j'avais fait le nécessaire. Ça, on a eu une telle invasion zombie qu'ils ont tout bousillé. Bizarre, j'avais souvenir de l'avoir fait. Ça, c'est fou, ça. Allez, zou, un peu de bricolage. Hop, 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 hop. Et surtout, ne m'aidez pas, les gars. Aïe, 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 aïe. Alors, voyons la pièce d'à côté. Je pense qu'il faille aussi barricader joyeusement. Fermer la porte, déjà, serait une bonne idée. C'est gentil d'aérer, mais en milieu zombie, c'est pas forcément conseillé. Oh la vache, là, alors là, c'est de la grosse planche. Bizarre, je suis en train de remarquer que mon influence diminue dans le temps. Je sais pas, le fait que je fasse du bricolage, ça les... C'est bizarre, la mécanique de jeu. Ah, ils font de dos. Ils sont claqués. Bah oui, mais il faut faire un... Faut barricader tout ça, moi je suis désolé.
Je fais des travaux pendant votre sommeil, les gens. Je suis hyper actif. Touche du bois, ça porte chance. Oh là là, le pauvre, il dort. Attends, je peux les enquiquiner alors qu'ils pioncent? Oh non, c'est moche. Ils sont au bord de l'épuisement, les pauvres. Qu'est-ce que je peux lui demander à la miss qui me tourne le dos? Hey. Alors, lâche et aimez peindre. Oh bah, tout n'est peut-être pas perdu, je vais peut-être avoir besoin d'un peintre. Quoi? Comment ça, moins 10, tais-toi, tais-toi. C'est quoi le délire? Don't be a stranger. J'ai pas compris le malus. Le tais-toi, tais-toi. C'est parce que j'ai fait trop de bruit alors que tout le monde dormait, j'ai coupé d'un malus. Sérieux? Ce jeu est cruel. Ouah, ce réalisme. Alors, conseil, construire une zone de travail. Alors, quid de mon inculture et surtout de ma non-maîtrise du jeu, comment on construit une zone de travail? J'arrive à interagir avec le contenant, là, l'armoire frigo là, qui est à l'angle. Mais construire une zone de travail... attendez, je vais farfouiller dans les menus. Et d'ailleurs, faut pas que j'oublie de me soigner, parce que j'ai la moitié de ma vie. Ah, c'est un 4x4 dit de survivaliste. Ah ouais! Ça se distingue. Là, il y a un vieux pick-up. Un pick-up enflammé! Oh là là, il y a un détail de fou. Une berline moderne. À un moment, on va lire véhicule de mauvais goût. C'est génial. J'adore. Oh là là. Ah ouais, station service. Oui, pour les cocktails Molotov. Ouais, ce soir, on vous met. Site de construction ressources inconnues. J'avais pas écumé ce lieu. C'est bizarre, j'ai gardé souvenir d'avoir... Alors, site de basse potentiel, la résidence Kickmar ne requiert 8 personnes et 30 matériaux. Hein, quoi? Qui c'est qui parle? Bah oui, je peux venir te chercher. Ça, c'est malin, ça. Ah, c'est malin ça, le frère de Lee qui a un problème. Ah, c'est bien qu'il ait du dynamisme. Putain, mais il est loin ce con. Je suis jamais allé là. Oh, faut que je prenne une bagnole et que j'essaie de le rejoindre, ça va être sport. Est-ce que je peux y aller au culot et couper à travers champ? Oh, la mission m'intéresse. Attends, déjà je vais prendre des soins. Oh là là là, faut que je reprenne des médocs sur moi là. Avant de partir. Ah, c'est intéressant. Antalgique. Ça me réussit plutôt bien les analgésiques. Non, c'est. Ah si, c'est ça, analgésique. Antalgique, qu'est-ce que j'ai dit moi? Oh, je peux en prendre combien? Prendre. Ouais, 3, je me sentirais plus en sécurité. Je préfère. Alors, je vais à pied, aller au bout de la rue. Voilà mon plan. Au bout de la rue, j'aurai deux bagnoles au choix. Une fois que je serai parvenu à rentrer au niveau du siège conducteur, en espérant que les clés soient toujours sur le tableau de bord. Je vais essayer de tracer avec le véhicule à travers champ, à travers le décor, là, naturel, pour rejoindre Jacob. Merde, évidemment, il sait pas se barricader, le mec a dû... Oh non, il y a une horde.
Alors ça craint à 1000%. Ah. Tout va bien, c'est le jeu. L'effet de surprise est réussi. Oh merde, j'ai plus d'endurance, au secours. I've got some ideas for how to improve this place. We need some more sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Construire une zone de repos empêche le manque de sommeil. Ouais. Alors attends, j'avais dit que je prendrais une bagnole. Oh, le pick-up là, il me plaît beaucoup. En espérant que je puisse monter à bord. Oula! Oh la vache! La motorisation est redoutable en efficacité. Alors, est-ce que je peux couper à travers champ? Ouh, ça m'a l'air escarpé. Je prends des risques. Wow. Ça devient un peu jeu de rallye. Ouf. Ouais, c'était un champ. Alors, si c'est barricadé, ça va pas du tout le faire. Qu'est-ce que c'est que ce champ? Oh là là! Effectivement. Est-ce que je peux passer par la fenêtre? Non. Ah si. Oh la vache. C'était quoi cette réunion de famille là? Jacob, right? Come on, let's get you and your friend out of here. No, that's okay. You just get him back to the church safe. I gotta get back to my brothers before they notice I'm gone. Eli, we've talked about this. I'm not ashamed to be seen with you. It ain't about shame. You know what Job would do if he caught us together. Your brother's an asshole. He's still my brother. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Hey, I'm young, quick, and I got a big ass wrench. What could go wrong? Here, next time bring more. We should probably toss one more of those things when we get a little farther up the road. Give them some more time to get clear. Créer une diversion pour Ellie. Coup de feu, explosion, pétard et réveil sont... Ah ouais, faut-il encore avoir ce qu'il faut? Il est marrant lui. Je me voyais plutôt essayer de la jouer ninja en discrétion, mais si c'est l'inverse qu'il faut faire. Très bien. Merci. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Ah oui, non, d'accord, c'est des... Ok, c'est des parcs pour animaux. Ok. Eh, quoique... Attendez, il y a du matos là-dedans. Ah, il y a des caisses qui méritent une attention toute particulière. Silencieux improvisé. Waouh. Ok. Matériaux d'amateur. Un ensemble hétéroclite de fournitures de loisirs créatifs. Mmh.
Bon, je vais pas me surcharger. Je vais laisser ça là en attendant parce que j'en ai pas besoin particulièrement. Vache. Alors, va bien inspecter les lieux, vas-y. J'ai même pas vérifié. Le véhicule que j'ai shippé. Ouais, je pourrais mettre des trucs dedans. Attends, j'ai déposé la hache. Je vais y déposer. Je sais même pas ce que c'est. Ah, bah les pétards. Mais non, j'en ai besoin. La bonne blague. Ah oui, d'accord, c'est le mec qui me les a donnés. Ok. Je comprends mieux. Ceci explique cela. D'accord. Ok, 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 ok. La maison est-elle en sécurité? Oh merde, putain, il y a une horde là. Il y a une horde dans les champs. Ça craint du boudin. Oh, bonjour FunFan. Merci du coucou. Oui, tu vois, exceptionnellement, je diffuse les jeudis là, pour jusqu'au 15 août, tu vois. Je vais prendre mes après-midi et soirées de jeudi. Je me suis posé pour être baba cool. Oui, donc je pense que tu m'as lu. Hein. Je valide le fait qu'on se fasse un épisode commenté samedi sur ton antenne. Samedi à partir de 18h. Il n'y a pas de souci. Ça se... C'est, on va dire, c'est compatible avec mon organisation, mon agenda. Donc c'est bien. Et comme tu l'as dit, argumenté, ça va nous permettre d'avoir encore les... De garder un bon rythme, tu l'avais bien expliqué lors du précédent épisode, ça a son importance. Histoire qu'on délivre des épisodes commentés de qualité. Je pense que je ne peux pas fouiller la baraque sans m'occuper de la horde. Alors, horde, pas tant que ça, parce qu'ils sont entre guillemets que 3, donc c'est gérable. Ils seraient arrivés à 6, 8, 10, là ça aurait fait la mort absolue. Voilà, bien joué. Ouf. Attends, j'entends un gémissement de zombie, mais où? Oui, donc le véhicule là, ouais. Je pense qu'il va rester sur place. Mais j'ai l'impression que la horde de zombies s'est disloquée, en fait. Alors, on a eu le temps, par observation, de voir la logique de... Attends, pourquoi c'est si bien verrouillé? Elle m'intrigue, cette baraque. Ah, c'est presque dommage qu'ils aient une véranda. Parce... Ah non, c'est pas une véranda, pardon, j'ai rien dit. Ah ouais! D'accord. Eh, ça pourrait faire une bonne base. Je peux pas oser aller. Non, je peux pas lui dire brise la vitre et... Parce que tout à l'heure elle l'a fait. Incroyable mais vrai. Non, bah je suis obligé de défoncer la porte. Ou pas. Merde, je sais plus comment on fait. Allez, comme ça. Allez, vas-y, dépoite-toi une épaule. Oh là là, l'autre qui est dans un sale état. Y a pas de zombies? Sérieux? Apparemment, la baraque a servi d'infirmerie locale de fortune. Mais et on pourrait presque en faire une base. Hein. J'aurais pas à dire, mais la baraque là, elle, je trouve qu'elle est plutôt bien configurée. Moi je dis, il y a quelque chose à faire. Il faudrait déblayer pas mal de trucs. Ouais, la maison est considérée comme dégagée, mais. Alors je suis pas du tout pressé à faire la diversion, hein. C'est mes ordres de mission, mais. Alors attends, boîte de conserve, bocaux et boîtes. Oui, bon, ça va pas aider. Commémorative. Waouh, rappelez-vous les championnats des Marshall Ice Dog.
Le frigo. Ah, on peut avoir des bonnes surprises dans le frigo. Du coffee. Oui, je veux bien boire le coffee. Ah oui, elle a mérité de boire le coffee. Pourquoi je peux pas dire boire le coffee? Ah, il faut que je le prenne peut-être. Tu me diras. Oui, il faut peut-être que je le prenne. I think my blood sugar's fine. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Alors, j'aurais peut-être dû laisser finalement le le café au frigo. Ah bah voilà. Alors ça, pour faire une diversion, tu vas en faire une. D'accord, même mort, les gens détestent toujours ce son. Ça fait courir les zombies. D'accord. Punaise, il y en a des choses à fouiller dans cette baraque. Maximum de réserves dépassées. Ok. Non, il faudrait peut-être... Oh! À ce point? Mais je peux en prendre combien? Ah ouais, je peux les cumuler. Puis non, ils ont pas une super masse. Ouais, ça pèse 300 grammes. De la méthadone. D'accord. Non, c'est fun, fun. Le feu, ça brûle. Il faut un tisson. Ah, pas mal. On va les laisser là. C'est étrange qu'un tisson ait été rangé dans le... dans cet endroit de la maison. Stockage de médication maximum déposé. Ah. Bon, le fait que je sois au taquet est plutôt une bonne nouvelle. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme on dit. Oui, quand je disais que c'était une infirmerie de fortune. Même les draps sont couleur de... des premiers... Oh, pas mal le tableau. Pas mal, pas mal. J'aime bien les... Il y a de la recherche d'un point de vue graphique. J'aime bien. Ibi. Bon, on va la faire sa diversion à la noix. Ah ouais. Ça, c'est fou. Et là, j'ai pas le droit de boire mon café. Ah. Bah voilà. Un coffee et ça repart. Alors, créer une diversion. Là-bas. Ok, au niveau du verger. Moi je veux bien essayer, mais c'est bizarre. Ok, et ensuite. Bon, dans le monde, après comment ça marche. Attention, petite toile, détourner l'attention des zombies pour terminer un objectif. D'accord. Bon. Alors par principe, on va fermer la porte. Non, fermer la porte, pas être menaçant avec un couteau en main. C'est pas la bonne interaction. Bon, bah je me rebarre. Attends, oui, il y a deux véhicules. Quel est le bon? Je sais plus. Ah oui, c'est ce coffre-là que j'ai chargé. C'est bizarre, j'ai le souvenir d'être arrivé en trombe avec le véhicule devant la grange. Je comprends plus là. Ou alors c'est le fait que le jeu soit scripté, ça m'a décalé mon véhicule. On est bien d'accord, mon matos c'est dans la bagnole là. On est d'accord. Oui, bah je viderai la... Bon, c'est bien, il va rentrer à la base avec moi. Allez, zou. Par contre, faut retrouver la route. Oh mon dieu, je déteste ces zombies là. Ah, cette narration. On
D'accord, Colin Spencer. Eh, ça donne envie de faire de la course automobile. Je résisterai, voiture de collection. Ah, c'est bon. Ah, on retrouve ma vieille tuture jaune d'avant, si vous vous souvenez de l'épisode précédent. Parce que l'autre menu, je voulais absolument pas qu'on se mouvoie à bord d'un engin motorisé, parce que ça attire tous les zombies à la ronde, ce qui est vrai, mais quand tu gères intelligemment, ça se passe bien. How's the leg? It hurts like hell. I think I twisted my ankle or something. And nothing's broken though. A little bed rest, I should be fine in a day or so. Just don't expect me to be running around town dodging zombies until then. You spin me around while you get out of... le véhicule là, je vais le ranger là. J'ai collectionné des véhicules, moi. Allez, où? Ils vont voir qu'il y a un événement à force d'avoir autant de bagnoles. Ils vont se dire, il y a un mariage. Ouvre-moi la porte. Bah. Ah, j'allais dire. Oh! What were you thinking? You know nobody's supposed to go out there alone. Will you please give it a rest? You're not mom. And besides, I wasn't alone. Tell me you weren't with Eli Wilkerson again. That's none of your... I don't trust him. You know what his family's like. Eli's not his family. Just be careful, okay? I just got you back. I don't want to lose you again. Hey, have you seen Dad recently? No, the last I saw him, he was going up to the lake to look for survivors. The lake, huh? Hey, there's something weird coming over the radio. It's really strong, like it's super close by. Here, listen. Hmm? You keep an eye out for something like a transmitter or a beacon? I don't know what you're looking for. Wow. Alors, un étrange signal radio et j'ai eu un malus pour non-entretien des murs de la... Comment ça, non-entretien des murs? Sont superbes. Attends, comment ça non entretien des murs? Alors je pense qu'il y a tout un pan de la de l'interface de jeu que je ne maîtrise pas. Je dois sûrement faire de la construction, de la rénovation, et je sais pas comment on fait en fait. Oh, et ça s'escalade, ça, non? Those army jeeps driving around while I was in Marshall. That's great. You should go talk to them. I don't know. Didn't look like they were doing much of anything, just driving around, watching. What? Nah, I wouldn't worry about it. I'm sure they're just the advanced scouts. The main force is going to be here any day, and they're here to take care of us. Hey, did I lie to my favorite little sister in the whole world? Mm-hmm. Bon, bah c'est bien, le frère et la sœur sont réunis. Comment je gère? C'était quoi ce coup de feu? Oh là, il y a du monde qui approche? Oh là 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 là. Violence! Est-ce que je peux les déposer? Oui. On va déposer les réveils. Les pétards. Ouais, je peux les garder sur moi. Non, c'est bien, je vais garder ce que j'ai sur moi. Bon, ça se passe bien là. Franchement. Construire. C'est ça que je sais pas faire, c'est construire. C'est quand même malheureux. Mais c'était bizarre comme détonation, c'était un tir ou du genre un pneu qui éclate au soleil ou je sais pas quoi. Non, il y a des... Oula.
C'est là où je vois que les salopards de zombies peuvent crever les pneus des bagnoles. Si c'est le cas, je deviens fou. Alors, l'interface. Mystère et boule de gomme. Comment je fais pour construire? Grande question. Mode d'inspiration, survivant bonus. Là, j'ai rien. Comment faire? Ouais, ça c'est la carte, ça c'est des infos de qui est qui et ce que je peux faire. Attendez, je vais réviser le, au niveau de l'interface de jeu les touches parce que j'ai peut-être oublié un truc dans les commandes, quelque chose qui m'échappe. Donc ouais, le journal, radio, carte sociale. Ouais, t'interagir, ouais, bien sûr, les combats. Alors, utiliser un objet suivant, lâcher sac à dos, torche. Les émotions. Ouais. Défiler vers le haut, défiler vers le bas. Oui, bah oui, classique. Non, c'est bizarre, je vois pas comment j'aurais pu... construire une zone de repos. Ah, une fois de plus, je m'en remettrai, voyez, à... au bon copain Torota. Quoi? Nouveau type de zombie, le mastodonte. Qui c'est que cette horreur? Que je peux interagir qu'avec le coffre là. Oui, le placard à réserve. Après, j'ai pas d'option de construction, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pas clair. Ben mais c'est lol. Quelque chose qui m'échappe, c'est pas possible. Là, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec lequel je puisse interagir que j'ai zappé? Ils sont tous dans leur mission respective, mais... Oh, c'est trop bizarre. En même temps, comme il fait jour, j'en profite très bien, comme on voit bien. Pour improviser à mes risques et périls. Bah tiens, il y a le coup de la bagnole de sport qui pourrait être un objectif intéressant de. Oh oh oh! Hey Lily, your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? Bill? I don't think so. Damn fools, probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. Bon, il a dû lui arriver malheur. Triste à dire, mais en milieu post-apocalyptique zombie, vaut mieux pas être ivrogne. Alors, attends, j'essaie de passer en diagonale, je sais pas si c'est une bonne idée. Oups. Il y a de quoi se casser la figure.
Ça m'intrigue. Il y a une tuture. Je veux voir si je peux pas fouiller le coffre. Mince, j'ai fait du bruit en allant dans le buisson. Bah tiens, du coup, il m'a entendu. Ah, il y a une autre bagnole encore à proximité. Ah oui, c'est le livreur de pizza. Et j'ai du bol de pas avoir de horde de zombies là. C'est plutôt tranquille. Hein. Ah non, un hurleur. C'est là où il va attirer personne, parce qu'il n'y a pas de... Non, il n'a même pas influencé le... Putain, c'est fou ça. L'idée de pouvoir repartir avec la... La voiture de sport, ça me fait très plaisir. C'est une fosse, c'est quoi? Le relief est vachement bien fait. Oh, ça mérite d'être intriguant. Ah, si seulement. Ce serait un jeu dans le jeu, je vous le dis moi. On avait mal fouillé parce que c'était un endroit où c'était scripté avec le gars cowboy. Ah non, je peux rien y faire. Mais c'est tellement exigu le machin qu'il n'y a rien à y faire, pardon. Je pense pas que je puisse. Si ? Non, non, elle y touche pas. Non, ouais, non. Ça compte pas comme un truc qu'on peut. Alors ça, j'y suis allé. Mince. C'est comme ça qu'on fait. La violence faite femme. Aïe, 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 aïe. Ouf. Oh, l'obèse, là-bas. C'est pas lui, le nouveau type de zombie, là, le je sais plus quoi. Bah oui, il y en a pas mal des... Oh, c'est horrible. Mais ça a marché. Attends. On avait eu notre droit d'entrée dans ce bâtiment, donc c'est bizarre que la porte soit verrouillée. On avait escaladé la grille, peut-être. Ouais, non, vous pouvez entrer tout simplement. Non, sérieux? Ça a été reverrouillé depuis? Ah, pardon. Alors, si je devais forcer une entrée, autant stratégiquement forcer le... Là où il y a le grillage. Parce que ça va déjà faire une barrière qui va dissuader les... Les zombards de pas essayer d'entrer. Ah merde! Ah, pas de bol. Il y a rien du tout. Bon, tant pis, je suis obligé d'y aller au forcing. Bonjour les épaules. This is an open message to any survivors in Trumbull Valley. Aïe.
Marshall Municipal Courthouse is a safe place. Ah bon? We have food, security. Le juge dit que le tribunal est un endroit sûr. Provided you're willing to obey the law and contribute to society, you're welcome to join us here. Ah. Créer un avant-poste aux chenilles là. Ouais. Alors j'aurais presque préféré la baraque que j'ai trouvée pour sauver le frangin de Lily là dans la zone agricole, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, mais faudrait barricader à donf. Allez, on va s'installer là. Mais ça va être du boulot, je vous le dis, moi. Bon, c'est bien, la clinique vétérinaire est considérée comme dégagée. Ouais. Une fois que je... Ah, faudra nettoyer quand même. Ah, ici c'est dégueulasse. Ou alors ça va être le local à poubelle parce que ça va chlinguer. Avec les carcasses des... Ah, non, il y a du nettoyage à faire, vous êtes sûr? Un entrepôt, oui, mais pas un lieu de vie. Ça va chlinguer. À moins que quelqu'un se charge du nettoyage, mais je leur souhaite déjà bon courage. Bon, allez, on va... Ouais, reste rien dans la clinique vétérinaire. Tu m'étonnes. Établir un avant-poste. Allez, où? It's like a good spot for an outpost. Are you sure? That's a big decision. Yeah. Tell the gang we're building an outpost here. Ouais. C'est vrai qu'elle a raison, hein. C'est vraiment stratégiquement une décision vachement importante. Hein. Mais plus il est aux abords de la ville. On est à l'opposé de là où on est basé à l'église. C'est pas mal. Stratégiquement, franchement, je trouve que ça se tient. Alors ne pas faire usage de la porte devant qui est verrouillée. Comment ça on est fichu? Pourquoi ils paniquent à la base? Faut qu'ils arrêtent leurs âneries. Ouais. Alors... Oh putain, il y a deux gros. Comment on les gère? Ça va être une balle dans la tête parce qu'il y a tellement de gras là. Je vais donner des coups, ça va rebondir mes coups sur ce genre de mec. En même temps, il a plutôt envie d'aller se promener, donc ça m'arrange. S'il pouvait ne pas me voir, ça m'arrangerait. Bonjour Christella. Oui, ça va, à part que je cuis, hein, c'est pour ça que j'ai renoncé à mettre la caméra, parce que voilà. Je cuis, donc je suis pas très beau à voir, mais ça va. Et toi, tu survis Christella, ça va? Oh, elle est magnifique. Alan says the army just choppered a bunch of people into Spencer's Mill. Looks like they're setting up some kind of camp. Quoi? You think it's an evac route? I don't know. There hasn't been anything on the radio. Weird. Okay, I'll check it out. If they've got a helicopter, maybe they can get us the hell out of here. L'armée? I might want to send somebody with military experience. I don't know. Maybe they'd respond better. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il trame? Armée en vue. Mais il se déplace? Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Merde, il y a une horde de zombies tout proche de moi. Comment ça, l'armée en vue? Ah oui! L'armée qui est rentrée dans la ville. Ah d'accord. Je vais arriver dans la voiture de bagnole de sport pour entrer en contact avec l'armée. Ouais. Effectivement, je vais rentrer. Oui, il fait bon pour toi, Christella, c'est bien.
Attends, pardon, je te lirai à la fin de l'action là, parce que j'ai... Oula, ah oui, ça a excité les zombies, quelque chose de bien. Ah non, je veux pas qu'on bougie ma voiture de... Ah, le sport, j'ai fait manger un poteau. Ah, c'est une voiture de collection, pas touche. Je la veux dans mon musée perso. Demain, nous irons chercher une Lamborghini. Aïe. Merde. Oula. Ah. Oh, stylé. Ah oui, on la met devant, elle est trop belle. Faut l'admirer. C'est une voiture qui s'admire, ça. Regardez-moi ce chef-d'œuvre sur quatre roues. Ah oh, oui. Alors demain, dans Gran Turismo... Ah, ça fait envie. Ah, attends, je vais voir comment ils sont à la base et puis je vais aller voir les mecs de l'armée, mais je vais les rencontrer à pied parce qu'en voiture de sport, quand même, si je commence à me la péter avec des lunettes noires, ils vont se poser des questions, les gars. Ouais, je vais rien prendre. Bon. Bah, le moral doit être bon là, et oh. Bon, je vais aller voir l'armée avant la tombée de la nuit. Alors, tu disais, Christella, dans le chat, j'espère que tu as un bon ventilo pour avoir de l'air frais. Alors, j'ai un ventilo sous les mains. Sous la main. Oui, sous les mains aussi, j'en ai deux. Mais je le laisse désactiver pour le moment. Parce que j'arrive à... Comment ça, chasser un zombie sauvage? Quoi, ça? Eh, hey, touche pas ma tuture, vilain! Pas touche la voiture de sport. Oh, elle est trop jolie! Oula, 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 vilaine! Oh là là, elle est plus vive que morte, elle! Oh, mazette! Elle me met des coups, là! Ah, c'est mieux, oui! Vilaine! Ah merde, là je suis obligé de prendre les médocs là. Là elle m'a fait mal. Quoi? Virée joyeuse, véhicule relocalisé. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh le con. Oh là là, il brise tous les carreaux. Oulolololo, il y en a du monde. Alors l'armée serait là-haut. J'ai juste envie de tuer des gens. La chopée ou la pécho? La pécho aussi. Sortez les capotes, je vais la niquer la pauvre. De plaisante, de plaisante, pas avoir de problème. Bonjour Nashevnan. I'm gonna have to ask you to move along. Faut pas rester ici, c'est dans le sous-car. Listen, we need some help here. A bunch of us are crammed into the church, and we... Hey, let me stop you right there. Ceci n'est pas une mission de sauvetage. La meilleure chose qu'on reste à faire, c'est rentrer chez soi, fermer les portes et tirer sur tous ceux qui sont plus bas qu'un geek de base. Oh. Fuck! How can you just ignore this? Move along, please. Non, non. Je sais pas ce que font les militaires, mais... Oui, c'était d'autant plus rigolo que, voilà, il y avait une atmosphère posée, Nashevnan, et comme l'héroïne que j'incarne est de facto une femme, d'avoir ta cinématique d'intro en audio, c'était de circonstance, c'était horrible. Yop, cousin, merci de passer. Bah, à part qu'on a chaud, enfin, surtout moi, dans l'ensemble, on va bien, j'espère que toi aussi, Nashevnan. Donc je le rappelle, hein, j'ai hésité à mettre la caméra, mais je préfère pas, je préfère voilà, être à mon aise. D'ailleurs, je n'exclus pas dans une heure filer rapidement à la douche et vous mettre l'équipe pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je me rafraîchisse un bon coup, parce que je cuis à feu doux, là. Est-ce que j'ai fait cette supérette? Je crois pas. Je crois pas. C'est rigolo, c'est Tartan Mart. Un personnage qui fait penser à un Écossais vu qu'il porte le kilt.
C'est rigolo. Confirmed. We're Zed Free here. Ah, sympa la supérette. Alors, il ne dit pas qu'il est en tenue d'Adam et Ève. Alors, en fait, je l'ai dit au tout début de ma prise d'antenne. Oui, je suis fou. Je suis en train de fouiller alors que j'ai laissé la porte ouverte. Enfin, bon, en même temps, je peux me barrer plus facilement, mais... Oh! Sympa pour les vivres. Comment ça, réapprovisionner? Le médoc est sympa. Ouais, des conserves. Alors... Ouais. Forcer l'ouverture de ça, c'est des snacks. Ah bah oui, il faut les prendre. Au moins, ça nous fait de la bouffe à gogo. Il y a ici aussi. Ah non, mais les portes sont ouvertes, carrément. C'est au pluriel. J'avais pas fait gaffe à la porte arrière, vous voyez, elle est ouverte. Et puis je voulais en pointiller dans le chat. Un peu chaud, mais ça va. Les vacances avancent tranquillement. D'accord, Nash. Question, Nash, on est jeudi. Tu te vois assurer un direct sur ton antenne Kik ce soir? Alors, moi, je te confesserai que je pense que je vais garder mon antenne quasiment jusqu'à minuit. Mais j'hésiterai pas. Si tu me dis ce que tu penses faire sur ton antenne, je te ferai de la pub. Au moins que nos publics... voilà. Bien évidemment que tu streams. On est d'accord, ouais. Tu profites de ton temps libre pour profiter de diffuser. Ok. Donc au moins, je te ferai ta pub dès qu'il y aura du monde qui arrivera. Si j'en vois qu'il serait susceptible d'apprécier en fait ton contenu, il faudra que je te mette en lumière. Okidoki. Non, parce qu'en fait, pour vous dire, j'ai programmé jusqu'au 15 août. Le 15 août, si vous avez regardé dans le calendrier, est un jeudi. Puis je me suis dit, tiens, allez, à partir d'aujourd'hui, le jeudi prochain et jeudi 15 août, je dis, tiens, je vais au moins diffuser toute l'après-midi en soirée. Donc c'est le hasard du calendrier, du fait que le 15 août tombe un jeudi cette année, que j'ai pris cette décision-là. J'adore beaucoup l'affiche de la banane. Banane extrême. C'est la banane! It's a soda, nana! Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? C'est rigolo. Ouais, maximum de réserve dépassée. Ouais, bah je vais me rebarrer avec un autre véhicule à la base. D'ailleurs, je vais vérifier ce qu'il y a dans le coffre. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Sympa la berline. Alors, on va essayer de pas trop attirer trop de monde. D'ailleurs, je pourrais peut-être causer une petite diversion. Ouais. Alors, attention, les zombies. We've survived this long. We'll keep surviving. I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Ah ouais, la bonne bière fraîche. La bonne bière. Oui, donc on est d'accord, oui, il n'y avait rien dans le coffre du véhicule. Alors, comment que ça se passe à la base? Vite, refermons la grille. Ah, t'as commencé à t'intéresser à l'interface de Twitch ce matin, c'est très complet. Ouais. C'est la première fois que tu mets les mains dans le cambouis, surtout que ces trois dernières années, là, depuis que je diffuse, comme vous le savez, il y a pas mal de trucs qui sont apparus entre temps. J'adore cette réplique. Danger sauvage repéré. Ah, c'est ceux qui sont à quatre pattes et qui font des bonds de maboule.
Oui, ceux-là, je les aime pas du tout, les zombies. Si c'est ceux-là, les sauvages, ça craint. Coucou. Bonjour, Tunsen. Oui, donc l'interface de Twitch, ouais, qui est quasiment lourde aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Il y a pas mal de choses à gérer. Alors, attends, faut que je fasse le point dans mon jeu, là, parce que... D'accord, aider à détruire un zombie sauvage. Oh mon dieu. Oh la vache. Alors je vais essayer de voir le coût du zombie sauvage. Et il y a le coût du signal. T'es en télétravail jusqu'à l'heure du goûter. Bah bon courage pour ton boulot, tu es une scène. Bah là, je t'avouerai, cours pas non plus parce que je me vois facilement à continuer sur le jeu. Tu sais que je l'aime bien, le State of Decay que je découvre. Et je me vois au moins rester dessus sur jusqu'à 17h et des brouettes. Donc tu auras le temps de, voilà, de te rafraîchir, croquer un morceau. Et puis si tu veux qu'on fasse un truc en commun, on va dire en première partie de soirée, 17h30, 20h, pourquoi pas. Amis en détresse, cherchés et sauvés. Ah, c'est génial, j'aime bien le côté dynamique du jeu. C'est-à-dire plus le temps passe, plus il y a des missions qui apparaissent parce que ça évolue de partout. Ça a le mérite d'être une logique implacable. J'aime beaucoup. Alors, opération de sauvetage. Allez, je suis fou, je vais passer par le muret. Hop, la table aide beaucoup. Mais oh, hé, zombie, pas touche aux voitures. Hop, hop, hop. Attends, mais il y a une horde là. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Bah alors. Eh, malin le lynx, on pourrait dire. Malin les zombies, ils se servent des bagnoles que j'ai garées en fait pour progresser sans se faire. Sans être dans la ligne de mire du vigie. Ah, c'est Vicelard ça. Bon, je pense que j'aurai besoin du véhicule de guerre pour sauver le malheureux qui est en détresse. Qui c'est qui m'a repéré? Merci. Alors, demi-tour sur le parking et je vais aller chercher le désespéré qui a appelé à l'aide. Ça passe. Oh, ça panique, on est fichu. Oh là 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 là, ils sont sensibles au niveau moral. Ouh la vache, il y a du monde là-bas, il y a carrément une horde en face. Attends, je vais changer de rue là parce que. Il y a beau y avoir 4-5 rues à peine dans le patelin. Il est vraiment important de choisir la bonne. Attends, je vais arrêter en pleine rue. Alors, trouver des survivants disparus. Alors, je croyais qu'il n'y avait plus de vitres. Le carreau était tellement propre. Voilà, j'ai fait une énorme bourde stratégique. Ah, j'étais persuadé que... Aïe, ah, ça fait mal. L'animation des zombies est excellente. Oui, après les streams sauvages, les zombies sauvages, ouais, bah ouais. Oh! Oulala. Oserais-je dire Monsieur Quintal? Monsieur est bien grand. Complètement, ouais. C'est un truc de planqué. Il n'y a pas une trappe. Qu'est-ce que j'entends? Ah, il essaie de défoncer la porte, je crois. Et il y parvient. Ils y parviennent. Oh, cette scène. Alors, trouver le survivant disparu. Oui, mais où? Ah, d'accord, il peut être partout là-dedans. Oh, puis génial, il y a des hordes de... Alors, le zombie sauvage, bah, c'est carapaté. Les militaires ne sont même plus déclarés, d'ailleurs. C'est... Joie.
Bon, il n'y a plus de vitres, hein. Non, on peut y aller. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Alors, horde de zombies devant. Je vais essayer de me faire discret. Qu'est-ce que je fais? Je prends les pétards ouais, en main pour créer une diversion si ça tourne mal. Je vois rien. Non, je vois rien. Bizarre. Ah, elle est vide à ce point, cette baraque? Attends, il y avait un accès ailleurs, non? Ah, oh, ce genre de grande maison américaine, il y a deux accès, il y a avant et arrière. Ah oui, il y a un autre accès, on voit l'escalier ici. Hey! Il a de la ressource. Alors qu'il y a les autres aux alentours. Vite, faut qu'elle reprenne son énergie. Reprends ton endurance, ma belle. Tiens, attends, il y a une dépendance. Il n'est pas interdit que l'autre soit dans la dépendance. Putain, c'est fermé. Sounds like I've got company. J'avais entendu un zombie. Ah ouais! D'accord, le zombie me snob et passé par-dessus la palissade. Ok. Faut pas se vexer, tout va bien, oublie-moi. C'est... D'accord, bon. All quiet here. Tout est calme, il n'y a rien à fouiller. Il n'y a rien d'intéressant. Bah, stockage dégagé, tu parles. Je vais rien en faire. J'en connais un qui va reposer dans le jardin. Voilà. Ah non, vraiment verrouillé. Eh ben. Elle a les épaules solides, la miss. J'ai l'impression qu'il n'y a personne, ouais. Il n'y a personne. Time to move on. Ouais, là je peux ouvrir. Parce que de l'intérieur, j'ai pu déverrouiller la dite porte. Ah non, le nul peuple survivant s'est enfermé dans les toilettes. C'est la sortie de secours en plus. Hello? Ah non, c'est pas des toilettes. D'accord. Jerrycan, je peux rien en faire, il est vide ce... Oh merde, il est vide ce con. Bon, on va fermer la porte. Oui, il m'a repéré. Voilà. Ah, c'est les toilettes qui schlinguent. Ah non. C'est pas possible, le survivant a pas pu faire le choix d'aller aux toilettes, ça schlingue là-dedans, c'est dégueulasse. On est d'accord, il peut pas être là. Je vais même laisser les portes ouvertes au moins que ça aère, parce que... Attends, c'est original ça, ça me plaît bien, l'espèce d'énorme rondin de bois. C'était un arbre centenaire. Oh la vache. Même bicentenaire. Oh, c'est stylé. Ça me plaît beaucoup. Ça indique les promenades ou... Ah non, c'est des années de... Oh, attends, 1939. Si je lis bien.
Non, c'est pas possible, il est pas tricentenaire, le... Oh la vache! Ah, c'est stylé! Mais il me propose les vestiaires. Comment ça, j'ai pas complètement exploré l'endroit? Ne me dis pas qui c'est. Si en plus il faut que j'ouvre les portes des toilettes qui sont dégueulasses. Remarque, il y a un sac à dos. Bonjour Arsenas. Merci du coucou. En espérant que tu ailles bien et que tu souffres pas trop de la chaleur. Ah non, personne ne prendra la décision de se barricader. Enfin, de se planquer dans des toilettes publiques, c'est horrible. Bah, j'ai chaud comme beaucoup de monde, mais ça va sinon, Arsenas, merci. Ah non, on espère que tu ailles bien, mon cher Arsenas. Ça va, j'ai chaud, mais aussi je combats comme je peux. Oula. Okidoki. Mais au moins tu dis ça va. Nous voilà rassurés. Ouais, je pense que la porte va être verrouillée. Bon, allez, tant pis. Anybody home? Une fois que vous avez fouillé entièrement ce bâtiment, vous pouvez établir un avant-poste. Non, la baraque est trop petite. Elle est au beau milieu en plus du patelin, donc c'est dangereux. En plus, ça a été tagué horriblement, donc non merci pour la déco. Oh, quelle horreur! Oh! Carrément le squelette de... Ah tiens, je peux fouiller ça. Oh, je pense pas que je trouve grand chose dans l'étagère. Oh! Ah bah j'ai rien dit. Un flingue, je veux bien. Nice. Ah oui, comme tu dis, nice. Un silencieux, puis un vrai en plus. D'accord. Non, pied de table, il va rester là. Ah, c'est bien. Des munitions, c'est cool. Oh, là aussi, je peux fouiller, c'est fou. C'est fou, on peut tout fouiller. Attends, moi, je vais voir un coup. Alors, stratégiquement, comme mon sac à dos est plein, je vais devoir utiliser le coffre d'une bagnole. Merci pour la discrétion, abruti. Aïe. Ah, c'est zombie. Mais oui, ressort par la porte au moins. T'auras appris quelque chose aujourd'hui. Ça tombe bien, c'était ton dernier jour de mort et vie. Hein, à la fois. Ah, la vilaine, elle a failli m'avouer. Attends, je vais manger un morceau, ça fera du bien. Ouais, elle a mérité son snacky, la miss. Ouais. Analgésique, ouais, je peux les prendre aussi. Parce qu'au niveau douleur, c'est pas top. Un véhicule. Le véhicule le plus proche, il est où? Ah ouais, il est au carrefour. Il est au carrefour. J'aime bien ma collection de bagnoles à la base. C'est juste extraordinaire. Ouais, un 4x4, ça me va. Ça me va très bien, un 4x4. Vilain zombie. Aïe! Aïe, ouille!
Mais il me croque trop. Mais il croit rien, celui. Il m'a bouffé toute mon endurance à lui seul. Ouais, je pense que je vais enjamber la rambarde. Ce sera plus simple. Un 4-4. Ouais, il y a des gros loupards. Ah bah j'ai le 4-4 noir de la dernière fois, en fait. Est-ce que j'avais déjà des trucs dans le coffre, oui ou non? Pas sûr. Ah merde, si! Oula! Ah si, 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 j'en avais des choses dans le coffre. Oh merde! Il faut que je reparte avec ce véhicule, pardi. Qui partage des infos. Yep, bonjour Tomouf, j'espère que tu vas bien. Alors pardon, je suis complètement accaparé à mon jeu là. Ouais. Déposer ça. 9 mm, calibre 45, 9 mm. Hop, 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 j'ai pas aimé le bruit. Oula, c'est un super balou, j'ai intérêt à me barrer. Vite, démarre, 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 accélérateur, merci, au revoir. Wow, wow, wow. Et du coup, je suis perdu. Et merde, il y a une horde de zombies, ça craint. Ça craint du boudin, mais en tout point. Demi-tour. Ouais, ça va, Tomouf, c'est cool. Bah nous aussi, tu vois, on a chaud, mais ça va. Oui, j'avais besoin d'un véhicule. Je vais me garer là. Ouh là là. Ouais, l'endurance est pas top. Alors là, c'est chaud parce que il y en a pas mal et ben j'ai du bol parce que l'endurance ça va être balèze et il y a une horde là-bas. J'ai peur qu'il m'ait entendu. Donc là, je suis dans la merde. Je suis tellement dans la mouise que je vais retourner à bord et je vais me barrer. Je reviendrai voir le survivant plus tard si je peux. Ou alors, je joue stratégiquement des pétards, mais ça va être chaud. La vilaine! Elle a failli m'avoir, la nanas. Oh, les zombies qui passent. Putain, il y a deux hordes, en fait, pour le prix d'une. Ah, c'est l'horreur. Stratégiquement, je suis bien la gérer. Attends, si... Attends, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Attends, prends le médoc parce que ça craint. Oh là 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 là. Coriace les zombies. Si les deux là peuvent s'éloigner, ce serait bien. C'était quoi la fichette? Simon et Nick, landscaping, numéro de téléphone, d'accord. Je sais plus, j'ai vidé mon sac ou pas? Non, je crois pas. Si, j'ai vidé mon sac. Alors attends, je vais prendre beaucoup de bouffe. Ok, donc là ça va. Attends, là aussi il y a des trucs. Message de Torota 77. Bonjour le sage. Aujourd'hui c'est glandouille et donc tripotage de nouilles. La nouille qui pendouille pendant la glandouille, c'est oui. Que c'est. Ok.
comprends, tu comprends ce que je comprends. Si tu comprends ce que je comprends, ce que tu comprends, ce que je comprends, c'est super. Cadeau, je fais du yoga, yalala, iho. Même la voix, elle devient folle par rapport aux propos écrits de Rota. C'est génial, c'est énorme. Waouh! Excellent, l'effet de surprise est réussi. Oh la rigolade. Bonjour Torota, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de te joindre à nous. Oh là là. Mince, bah tiens, voyez. T'es un truc. Bah tiens, j'en profite comme ça a sauté. Je vais faire la pub de Nash. Je pense à Arsenos qui a pas forcément l'info. Au niveau du canal. Ça fait tout sauter. Ah bah non, j'ai pas pu revenir en plein écran. Bah au moins, si je reste comme ça, je peux interagir avec le chat en temps réel. Donc, vous me direz, vous, non, vous voyez pas qu'il y a... Vous voyez peut-être le défaut en bas de l'écran, comme quoi je suis en mode fenêtre, vous voyez une petite ligne horizontale. Bon, moi j'ai un peu la barre du jeu en haut de l'écran, mais vous le voyez pas avec mon aviage de chaîne. Je vais peut-être finalement exceptionnellement rester comme ça, parce que ça me permet de gagner en souplesse de manip dans le chat, finalement, en étant fenêtré. Minuteur de cuisine, tu sais, le plus important. Je vais faire comme ça. Mais excellent, Torota. Waouh. Oh, le délire avec la voix, énorme. Oui, ça va, pas trop chaud, Torota. Tu survis de ton côté aussi? Sounds like I've got company. Non, je peux pas fouiller. Pourtant, j'ai un doute à me dire, tiens, le... Let's get moving. I'm done here. Ah, c'est la survivante. D'accord, elle était là, la maline. Attends, je vais inspecter ces étagères. Il y en a trois, c'est bien garni, ça. Jesus, I need to get out and live a little more. You know, I never once broke curfew grown up. Never snuck out of the house, never dated anybody my parents didn't approve of. Never took a road trip to Mexico and forgot most of the details in a tequila-soaked haze. How fucking sad is it that I have a better social life after the end of the world? Oh, oh, ce dialogue. Une poupée qui parle. Ah, ça attire les zombies. Ah, c'est rigolo ça comme approche. Et ça, c'est un grand sac à dos. Attends, on reviendra. Ouais, non, mais il y en a qui posent problème, là. Ah! Attends. Merci. Oui, bon, on va se barrer. On va se barrer, on va rentrer à la base, ma grande. Oui, le véhicule que je nous ai réservé est là. En plus, c'est la tombée de la nuit, là. Dans le jeu, c'est le crépuscule, ça déconne zéro. Allez, monte à bord, ma grande. Je réfléchis à prendre la bonne route. Faut regarder où sont les zombies. Alors, tant qu'il n'y a personne... Il n'est pas cool. C'est ça un zombie sauvage? Non mais lui il est chiant. La vache, c'est ça les sondages, je présume. Ouais, là il y a rien. Alors que là il y a du matos. Ouais, ouais. Oh merde! J'avais pas vu que t'en avais chopé un, ma grande. Bien, bien joué. Allez, on rentre. Je reviendrai prendre le véhicule plus tard. Oh, il y a un petit bug. Ah, ça va. Sinon, je m'avance. Oui. Voilà, j'ai percuté la bagnole de livraison de pizza. Ouais. Ah, ils sont dangereux. Ce serait bien qu'il se fasse fusiller, lui.
Je sais pas s'il va me suivre. S'il me suit comme un chien. Ça fait peur. Qu'il se fasse dégommer par... Dis-moi que j'ai un tireur sur le... Ouais. Ah ouais, celui-là il est super dangereux. Bien joué. Alors, oulala, je vais faire un aller-retour. Parce qu'il y a tellement de matériel à ramener là que. Oui, ouvrant grand. Allez, j'en ai porte ouverte que tous les zombies rentrent à la veille, à 1h de la nuit noire là. Thanks. I thought I was dead. Found this while I was out. My hero. Wow, cool. Ah, le moral remonte un peu. Le moral remonte un peu. Et pourtant, il me dit moral bas à cause de la peur. Danger, des sauvages ont été repérés. Merde, ça c'est pas cool. Alors... Oulala, est-ce que je vais réussir à ranger tout ce que j'ai ramené? C'est pas sûr. Les silencieux, je peux les ranger là? Non, j'ai pas le droit. Ouais, là j'ai trop de munitions. Je sais même pas. Non mais j'ai plus de place là. Si. Ouais, la bouffe. La bouffe, les médocs. Je pourrais bien en avoir sur moi les médocs parce que j'en ai pas beaucoup. À mon avis, j'en aurais vite besoin. J'ai ma barre de vie qui est à moitié là, c'est pas top. Bon, je vais aller vider le coffre de la bagnole. Je vais faire un aller-retour. Voilà. I don't have enough space for this. Oui, j'ai pas assez de place, oui, non. C'est vrai que mon inventaire est un peu plein. Bon bah c'est bien, il va être content au niveau de la bouffe, hein. Je ramène plein de snackies. On va pouvoir se faire une saucisse partie. Bande de coquinous. La 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 la. Oh la vache. Nous avons des flingues, nous avons des molotovs. Oh, l'armoire, elle va exploser. Oh punaise. Allez, encore un aller-retour rien que pour les snackies. Aïe. Quoi, des rumeurs? Tabassé, volé. La vieille femme. Tiré le chat. Merde! Ouais, ça peut être beaucoup de monde. It might be time I had a little talk with the Wilkersons. The Wilkerson? You might want to ask Job about it. Mickey's got that temper. I'd hate to think how he'd respond to an accusation like that. Accusation envers la famille Wilkerson? Ouais, bon. À voir. On va peut-être fermer la porte là pour la nuit. Et derrière, vous avez fait quoi? Ah, vous laissez ouvert? Putain, vous avez pas peur. Vous avez pas peur. Puis je crois que personne n'a investi la clinique vétérinaire à l'angle opposé de la ville, là. J'ai pas l'impression qu'il y ait du monde qui se soit installé pour aménager. Quelque part, c'est un peu dommage, mais bon. Ouh! On a eu chaud, hein. Fallait la gérer finement la mission précédente. Oui, il n'y a plus personne dehors, il n'y a pas quelqu'un qui se fume. Ah si, encore. Bah, le pasteur, qu'est-ce qui reste dehors?
Is Green Clop. Ah, il n'y a pas que le pasteur. Ah, vous avez pas peur, vous. Hey, you. Hello. So long. God bless. So long. Épuisé et blessé, Jacob Ritter. Il était photographe. Il était photographe. Ouah, n'importe quoi, jusqu'à de la rambarde, alors que j'aurais pu faire le tour et tout simplement monter l'escalier. Elle a besoin de se débouler, cette fille, c'est une sportive. Défoulement total. Bon, j'ai toujours pas compris. Ah, et oh, je profite que tu sois là, Tota. Excuse-moi, je te sollicite parce que. Mais attends, de quoi elle parle? Y'a rien qui urge aussi. Ah, renseignez-vous sur les raids. Il y a le coup de la radio, il y a la base secondaire, il y a le zombie sondage, ouais, d'accord. Non, ça va, je peux rester la nuit dans la base. Oui, je m'adresse à toi, Torota, oui, pardon. Parce que comme tu connais bien le jeu... Regarde, je suis un gros nigo. Il me dit depuis quasiment le début de ma partie, conseille construire une zone de repos et surtout construire une zone de travail. Sauf que je ne comprends pas dans l'interface, à part interagir avec ma grosse réserve dans le coin. Bonjour Bastos, oui tu fais bien de me dire de boire un coup. Surtout que j'arrive à la fin de mon gobelet. J'espère que tu vas bien Bastos et que tu cuis pas trop. Oui, t'es sûrement en train de boulot là. Oui, tu vois, Torota, j'ai le placard à réserve, mais l'histoire de l'interface qui me dit conseil construire une zone de blablabla, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je construis. Oui, ça va, aujourd'hui et demain, repos. Ah, c'est bien, t'es en repos aujourd'hui, d'accord. Bon, bah, c'est bien, profite, en espérant que tu cuises pas trop. Bon, c'est cool. Chaleur en ce moment, je connais pas. Ah là 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 là. Oh punaise. Ah ouais, j'aurais encore des emplacements de... Ah, le placard à réserve qui est quasiment sans limite quoi. Alors oui, tu as une interface. Oui, tu as une interface effectivement pour construire lit, lieu de soins, etc. Sauf que j'ai pas réussi à la déclencher, tu vois. Il faut se diriger vers un meuble précis ou c'est une touche dans le jeu et j'ai pas compris. Interface pour construire lit, lieu de soins, etc. Ah mais je vois pas comment. Est-ce que j'ai ça? J'ai ça. J'ai ça. Ah, elle veut parler, elle. Elle a un point d'exclamation. Elle veut dire quelque chose. It's another beautiful day. Ah, elle a envie de patater des zombies, en fait. Bah on pourrait prendre le risque d'aller patater les zombies sauvages, mais ça va être sport. Come on, you and me are gonna go out there and kick some ass. You'll feel better. Sounds good. Allez, soyons fous. Et surtout, ferme pas la porte derrière toi. Aïe aïe aïe. Je crois de mémoire qu'il faut que tu trouves un endroit plus grand ou construire des choses, style entrepôt par exemple. Et comme ce sera vide, tu pourras prendre l'endroit et l'améliorer au fur et à mesure. D'accord, ouais, l'église de départ est trop exiguë pour pouvoir aménager des trucs. Ok, c'est logique. Merci pour l'info, Torota. Sachant qu'à l'opposé de la ville, en fait, tu vois, j'ai réquisitionné la clinique Veto. Alors j'ai trouvé dégueulasse parce qu'il y a les carcasses des anciens animaux et ça doit schlinguer les restes d'animaux quoi. Et
hell. If I'm being honest, some days I don't even want to get out of bed in the morning. No? Oula. I guess. Trouble on the right flank. Et voir au niveau de la clinique, voir ce que je pourrais faire. Ouvrir la voie, d'accord. Et à la station service aussi, il y a des moustiques à patater. On va prendre le risque d'y aller à pied. Qu'est-ce qu'il tape du pied, lui? Voilà, merci. Quoi qui brûle là-bas? Voilà, sacré feu. Oh la vache! Mais j'espère que. Oui, il faut que je ramène des munitions là parce que. Oh non, c'est un dangereux lui. Je suis désolé de faire du bruit. Heads up, we got zombies coming in. Merde. Ouais, fallait que je lui tire à la tête parce que là c'était trop chaud. C'est des dangereux ceux-là. Ceux qui sont quasiment à quatre pattes là, ils sont craignos. Ah oui, forcément, j'ai attiré du monde. Forcément. Bien vu. Attends. Il s'amuse avec la rambarde l'autre apparemment. Non, il nous a repéré. Il faut qu'on le neutralise. Voilà, bien joué. Alors de mémoire dit Torota. Putain, il y a trop de monde. Heureusement qu'ils viennent un par un, parce que là se laisser déborder c'est la mort. Alors de mémoire dans ce quartier, la seule endroit de pour tout le monde c'est ton église. Maintenant tu verras que il y a des demandes pour débloquer ces endroits comme le nombre de survivants et le stock. Aïe! De survivants et le stock en bois et autres ressources, d'accord, ok Torota, faut pas que je m'en fasse plus que ça, merci de l'info. Ok, now we're gonna kill some zombies the old fashioned way. Nettoyer la zone. Oula, il y a du monde dans le garage. Whoop, bordel! C'est limite si j'aurais pas dû prendre mon étoffe. Merde, j'ai plus d'endurance. Résiste, par exemple, résiste parce que. Il faut que je reprenne mon endurance. C'est chaud. Bah oui, tu t'épuises. Allez. Nice work. You really kicked some ass back there. Ouais. Thanks. Il s'en est fallu peu. Lead on. Let's move. Doucement. Attends, il y a peut-être un truc intéressant à l'intérieur du coup. Que j'ai pas souvenir d'avoir. Ah, ça c'est pour les shurikens. Merde, il y a un zombie à l'angle. On va avoir de la visite. Ah, attends, j'ai pris de quoi faire des cocktails Molotov. C'était sûr. Ah, t'as eu chaud, ma grande. Alors. Ouf. Silencieux improvisé. Alors les armes contendantes, je vais les laisser ici. Fourniture de loisirs créatifs. Bon bah écoute, c'est toujours mieux que rien. Attends, je vais en ouvrir un pour voir. Ah, c'est ça ce qu'ils appellent les loisirs créatifs. Ah. Ouais, je vais laisser quelques armes ici. Là. Et il y avait un zombie sauvage à patater et je vais prendre les médocs parce que la barre de vie est pas top.
Il y avait un zombie normalement. 10 sauvages. Qu'on ne voit plus, je ne sais pas pourquoi. Oh, la bagnole est dans un état. Elle est bien fumante. Qu'est-ce qui... C'est moi ou il y a une rixe de zombies? Looks like trouble up ahead there. Mais c'est un survivant. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah, les bonnes, celles-là. En solitaire, ma grande? Elle est bizarre, elle a pas peur. C'est, je sais pas, là, l'initiative de se barrer de la base. Ah, merci. Le coup de main est apprécié, parce que là, il commençait vraiment à être casse-bonbon, lui. Attends, pourquoi je peux pas fouiller? L'ambiance est extra. Hein. Franchement, je sais pas comment vous trouvez vous, mais de nuit, la musique, elle est légère, elle est, on est bien dans une ambiance horrifique, j'aime beaucoup. C'est bien flippant. Oh, je me la pète avec la voiture de police. Comme tout le monde, je songe à me reconvertir en Chipolata. Oh mon dieu. Une bonne surprise dans le coffre de la voiture du shérif? Non. Par contre, je trouve que son coffre est de grand gabarit au shérif. Intéressant. Ah, la maison en construction, ouais, c'est pas mal. Je mettrais bien la voiture de shérif ici en reconnaissance. Au moins, j'ai repéré au premier coup d'œil que la base est toute proche. Merde, j'ai fait me faire avoir. Bien joué, bravo. Heads up, zombies on our left. Ouais. À droite aussi, il y a des zombies. Elle était partie pour le choper, mais en fait, j'ai agressé les zombies avant. Avant sa saisie. Alors, attends voir. Je sais plus si j'ai inspecté la baraque. Oh 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 oh. Ah ouais! Mais il y a carrément une horde dans cette baraque là, j'ai vu 4 zombies là. Oulala, là là, il est bien vif lui. Zed's up ahead. Il y a les zombies. Waouh! J'augmente mon expérience de combat. Alors que l'autre m'a fait mal. Vache. Bon, c'est bon. On peut rentrer peinard. Ah, alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Oui, non. Je sais même plus si je l'avais faite, cette maison en construction. Je sais que j'ai déjà fait un chantier dans l'épisode précédent. Mais celui-là... Forcer l'ouverture. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Ah, encore de quoi faire des molotovs. Alors j'entends un gémissement de zombie, mais je sais pas où il est. Forcer l'ouverture, prendre. Forcer l'ouverture et prendre. Ouais, très bien. Ah, les molotovs, c'est pas perdu, croyez-moi. Ouais. Et ben, belle récompense. Les zombies patatés pour avoir des molotovs 6. Merde! Il y a une horde de zombies carrément au niveau de la base. Je crois qu'un petit contour s'impose. Quoi?
Alone, I would have been vulnerable. We need people to watch our backs. Attends. Des survivants chez les voisins? Sérieux? Ah non, c'est pas possible. Alors là, par contre, j'ai un doute au niveau de la narration du jeu. Là, j'ai pas tout compris. De mémoire, pour trouver l'endroit à débloquer, tu as une mission juste à côté qui t'y emmènera. D'accord, Tota. Ok, merci. Je pense que c'est une porte de sortie, donc j'ai pas besoin. Je vais aller voir ce container là à l'angle. Et puis je retourne à la base du coup. Oh, cette atmosphère. Ah ouais! Ah ouais, mais c'est sympa ça, des munitions, dis donc. Oh, 80! Ah merde, j'ai plus assez de place. Ah, c'est ballot. C'est pas grave, on va les laisser là en attendant. Mais alors, c'est pas pour 10 balles. Hein. Mais c'est génial, là, c'est le casse du siècle. Il y a la horde de zombies qui est juste à l'entrée de la base. Oh, puis c'est trop... Il y a trop de buissons, là, punaise. Ça fait un mur naturel. Merde, il y a des zombies dans les buissons. Ah bah, c'est moche. Bon, pas de course, ma grande. Te fais pas choper par un zombie, on rentre à la base. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec la lumière, comme sur le torse. Ah bah, de toute façon, il est accaparé ailleurs, le VJ. Je sais pas si on est suivi dans le dans la course. Non, apparemment, les zombies suivent pas. Bah, ça se passe bien, pardi. Ha ! Je ramène plein de munitions, mon gars. Tu vas pouvoir tirer à gogo, je te le dis. I'll think about what you said, okay? Thanks. Comment ça influence 1? Mission de morale, la peur même. Crise évitée, ouais. Found this while I was out. What you got? Fait découvert, oh, des survivants, you know, amicaux. Nouveaux voisins. Mm-hmm. Des sauvages ont été repérés. Ah, attends, la carte dit quoi? Bah, c'est bizarre, là, aider à détruire un zombie sauvage. Quoi? To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic trash bags and leave them on the street. Patrols will collect any such remains and deliver them to the army for autopsy. Quoi? Waouh! Oui, bah j'irai voir Wilkerson demain. Hein. Là, c'est la nuit. Mais ok. Waouh, il y en a des infos. Ah, les Molotov. Génial. Alors, ça, c'est le coup du siècle. Oui, par 10. Voilà. Si j'ai fait un par un, j'ai pas fini. Oh, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Oui, d'ailleurs, mes propres balles, j'en suis à combien? Parce que j'en ai tiré quelques-unes, là. J'en ai tiré quelques-unes. Survivant bonus. Terminé d'inspiration. Ouais, appelons un survivant bonus. Avec des cadeaux? Oh! C'est merveilleux. Nourriture, médoc et munitions. This is Judge Lawton. Earlier today, our scouts informed me that they have identified multiple infestations in the downtown Marshall area. Based on this information and for your own safety, I'm declaring a lockdown effective immediately and until further notice. This is a matter for the police and they will deal with it. Voici la juge, la loi. Oh là 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 là, il s'en passe des choses. Attends, ferme voir la porte. Je me sentirai mieux.
D'accord. On est où en fait? Je sais plus quel est le nom de ma, ma localité. Espace légende. Ah, mission en cycle, tabulation. Comment ça? What? Ah oui, d'accord, ok. Placer. Fermer la carte. Un point de navigation, les objectifs, zone sûre. Position. Ok. Alors, les ressources, apparemment, il y a de la bouffe et des jerrycans ici. Waouh! Alors, si je dézoome carrément sur la contrée. Quoi? Rencontrer la juge Lawton, aller dans l'autre ville, je me sens pas prêt encore. Hein. Oh la vache, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Faut rater la déconnade. Waouh! La vallée quoi? Trumbull. Oh, il y a eux là-bas au loin. Il y a le coup d'étudier le signal radio. Oh la vache! Il y en a des choses à faire. Jacob se porte bien mieux. Ah, oh, c'est merveilleux ça! On va aller le saluer. Enfin, à moins qu'il fasse dodo, mais... Jacob, il va mieux. Heureuse nouvelle. Ah bah, il a faim, Sam. Enfin, Sam. Elle, pardon. C'est Miss Gros Calibre. Non, bah tant mieux. Jacob. Ah, de la bouffe, j'en ai ramené. Parle pas de malheur, Sam. Alan commence à ennuyer tout le monde. Personnalité autoritaire. Ah bon, Alan est chiant à ce point. Où est Alan? Hey, how are you? Ouais, non, laisse tomber. Take care. Take care, c'est ça. Alan. Qui est Alan? Il y a le pasteur William. Il y a Lily. Alan qui fait le vigie, peut-être. C'est, oui, c'est notre cow-boy. C'est lui, Alan, qui est trop autoritaire et qui fait... Je peux pas lui en toucher un mot? Eh oui. What's our sit rep? Autocrate et flic. Ouais, bah dès que je fais une mission, je le... Later. Je l'embarque avec moi, du coup, ça va... Ça va offrir un bol d'air aux autres. Parce que s'il est un peu trop autoritaire comme policier... Alors, que je réfléchisse. Que je réfléchisse. La clinique vétérinaire, ouais. Alors on voit qu'il y a de la ressource, mais c'est mal noté. Là on voit qu'il y a la ressource de la bouffe. Alors ça aussi, c'est une subtilité du jeu que je maîtrise pas encore. C'est d'avoir les bonnes des annotations complètes sur la carte. De dire là il y a de la bouffe, là il y a des jerrycans, etc. Ah, quelqu'un diffuse un message. Ah. Des zombies blindés. Quoi? Ah bah génial, les zombies blindés qui apparaissent à 100 mètres de la base improvisée des militaires. Il ne manquait plus que ça.
Des zombies blindés. Eh ben, on va s'amuser avec Monsieur Shérif. Ah merde, il est plus là. Oh, n'oublie pas qu'il est parti se coucher. Oh merde. Non, qu'ils viennent avec moi. On va se faire des zombies. This place being run by a pack of idiots? What the hell are they thinking? Beat me. Shit, at this rate, I'd settle for a slingshot. Better luck finding ammo for it, at least. Mais on a des munitions, je vous en ai ramené plein. Non, attends, laisse tomber. Il se plaint de pas avoir de munitions, mais il se paye de ma tête, lui. Ah, tiens, d'ailleurs, faut que je prenne des médocs dans la réserve avant de partir au combat, parce que sinon je vais être mort. Les médocs. Ouais, mes favoris. Les analgésiques. Alors attends. Allez, descends de ta tour. On va se faire une mission chaude. Tu vas adorer. Allez, calme-toi et viens avec moi. Alright, let's go try this. Hop, hop, hop. J'ai eu deux succès d'un coup en lui demandant l'ordre là. Elle est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le risque de prendre la bagnole cramée. Ça peut être drôle. Ou pas. Il arrive à me suivre. Nash dit, ah je vais devoir refaire toutes mes commandes et sons pour le passage à Twitch. Ouais bah c'est du boulot mon cher Nash. Donc t'envisagerais d'abandonner Kick en fait. Attends, il me suit cet idiot ou pas? Il est où le cowboy de mes deux? Ne me dis pas qu'il est bloqué par la bagnole quand même. Ah si, il est bloqué par la bagnole. Alors, ah, ils aimeraient avoir quelques avant-postes supplémentaires. Bon, bah, je vais essayer d'en trouver un troisième dans la ville. Ah, il y a un zombie à patater. Ce zombie là. Voilà, tu vois, ça défoule. Alors, enquête des zombies blindés. Il faut que je fasse gaffe à mon endurance. Elle est bien basse. Mon endurance est bien basse. En même temps, je te comprends un peu de tâter le terrain, le chefman, par rapport à faire le comparatif entre Kick et Twitch. Maximum de réserve dépassé. Ouais. Ouais, faut que je fasse gaffe parce que là j'ai de moins en moins d'endurance. Elle est complètement épuisée, la nana que j'incarne. Je prends des risques. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zombies? Oula, c'est un hurleur. Ah non, j'ai cru que c'était un hurleur. Mais non. Il aimerait être hurleur, apparemment. Il y arrive ou quoi? Au moins, c'est le défoule. Alors, c'est 10 zombies blindés. Qu'est-ce que c'est? Ah, en même temps, le coup du fast-food, attends. Oh, hé, je suis pas monté à l'échelle. Vas-y voir. Il y a peut-être une bonne surprise sur le toit.
Alors vous voyez ça, le fait de monter sur les toits dans ce genre d'établissement, c'est quelque chose à faire dans 7 jours pour crever. 7 days to die, aller sur les toits, il y a souvent des bonnes surprises. Alors des mauvaises aussi, hein, peut y avoir des zombies qui font bronzette sur les toits, mais généralement il y a du matos. Il y a du matos de planquer sur les toits. Le sac à dos est intéressant aussi. Et il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe tout proche. Ouais, je vais prendre ça. La perche électrique. Ah bon ? I'll swing by when I get the chance. We'll talk about it. Better look around. Oh, le coup. Confirmed. We're Zed free here. Ah, bien, cousin. Ah bah, on en reparlera entre nous prochainement, le coup de ton nouveau téléphone. Bah, c'est bien. C'est cool. Ah, j'ai envie de dire, pourvu qu'il y ait des fonctionnalités qui t'aident à augmenter, on va dire, ta productivité d'une certaine manière. Enfin, que t'as un retour sur investissement de manière générale. C'est cool, ça, cousin, bien. Merci de la nouvelle. Bon, je suis toujours pas allé à la rencontre des zombies blindés, là. Ouf. Et il me suit le cow-boy ? Ouais. Je sais pas si je peux voir d'ici des... Non, le coup des zombies blindés, c'est pas clair. Il faudra qu'on marche en pleine nuit à travers champs. Oh là là, c'est un coup à se casser la figure. Attends, je vais passer par là comme j'avais fait avec la voiture. La pente est plus douce. Attends, t'es humaine toi? Mais oui, t'es humaine. Come on. Ouais. D'accord. We could use your help over here. How about it? Alors, jouer en équipe, aimait bien faire du camping. Ouais, bah allons-y. Ready to move. Let's move. Zombie blindé. C'est quoi ça, le zombie blindé? Pétard pour faire diversion. C'est ça le zombie blindé? C'est un militaire ou tout équipé qui. Oula! Il y a trois dessus, on va voir! Zombie blindé. Ok. Attends, je vais reprendre un peu mon souffle. Oui, je veux bien manger le knacky, ça fera du bien. Ah. Tas de nourriture. On va forcer l'ouverture du truc. Ah bah, des knacky pour changer. Déknaki, toujours déknaki. Alors, le loustique là-bas est un zombie blindé. Ouais, doucement. Ah, c'est l'aube. Il fait de plus en plus jour. Bravo! Très bon travail d'équipe. Ah, je peux même commenter. J'ai même plus à me salir. Là. C'est extraordinaire. Rires.
On va inventer le concept de zombie catch. On va monter une arène dans les champs et on va se faire affronter des zombies entre eux. Et on, nous, on commentera. On sera à la table des commentateurs qui va se faire briser en deux. D'accord. Il y a un zombie de délit. D'accord. D'accord, d'accord, ok. Alors, qui arrive le petit matin? Mais elle court où? Elle prend des initiatives. Ah oui, le champ ne reste rien. Mais tu m'étonnes qu'il reste rien dans le champ. Attention, il y a un zombie sur ta gauche, ma grande. Bon, heureusement, il n'est pas très habile, le mec. Ah, c'est un peu un zombie blindé. Oui, non, c'est d'anciens mecs de l'armée. Oh merde, elle s'est fait agresser, je crois. Attends, elle est passée où? Je la vois plus. Je l'ai perdu de vue parce que je me suis acharné sur un zombie blindé. C'était visiblement un ancien mec de l'armée qui s'est fait zombifier. Oh merde. Bien. Oui, je finirai par lui parler un jour à l'autostick. Tiens, d'ailleurs, en parlant du joystick, sur la carte, je dois plus être très loin de la... Comment ça? Allez voir ce que fait Sam. Ah oui, d'accord, j'ai plus le droit de faire la radio. Alors, la radio, on a oublié. J'aurais pu enquêter sur la radio, mais c'est plus la priorité, visiblement. Attends, j'ai quoi dans mon inventaire? Attendez, pardon. Comment je fais pour mon inventaire? Je sais plus, parce que mon sac est assez plein, là. C'est pas forcément top. On a du bol, il n'y a personne dehors. C'est intriguant, ça. Ah, la baraque là-bas, s'il y a un zombie... Ah, une madame. Qui n'est plus. Merde! Il y a une horde de zombies. Putain, mais j'ai plus d'énergie, moi. Faut que je fasse gaffe. Ah, la horde de zombies qui arrive au mauvais moment. Message de Torota 77. On remercie les personnes suivantes pour les chants. Madame Élisée pour le chant 1, Monsieur Pignon pour le 2 et Monsieur Thier pour le 3. Bravo à eux et merci pour leur boulot. Champs-Élysées, Champignon et Chantier. Eh ben dis donc, quelle inspiration. Attends, faut que je me concentre parce que là, la troupe, la Michael Jackson de Thriller, là, ça craint, là. Eh, c'est tentant. Franchement, les hordes, là, quand t'es armé d'un cocktail Molotov, c'est horrible, mais... T'as qu'une envie, c'est de mettre la horde en feu, quoi. Mais si t'en as les moyens. Ce qui est pas mon cas, là. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais remanger des snacks, ça me fera du bien. Un petit remontant. Alors attends, est-ce que je peux... Sam, what are you doing out here? Looking for Andy Pims. Who's Andy Pims? Fuck, you're persistent. Andy's the guy who used to come into Pastor Will's soup kitchen all the time. Haven't seen him since this bullshit went down. Ah. Hey, Andy. Shoo, Sherry.
Andy, sois gentil. Wow, wow, wow. C'est Rita Mitsuko, ça. Oh, quand je disais qu'il fallait le cocktail Molotov. Ah, fusée éclairante, c'est pas mal, ça. Merde, j'ai plus de place. C'est fou aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez. Alors vous ne savez pas, mais par rapport à mes correspondances en privé sur Discord, c'est dingue, Bastos, que tu fasses référence à Thierry Lhermitte et au dîner de cons. Parce qu'on lui en fait référence aujourd'hui même dans mes correspondances privées. C'est une circonstance dingue, mais culturellement c'est fou, ça revient aujourd'hui. C'est rigolo. Les hasards de la vie. Bon, bref. Des cartouches de fusil de chasse incendiaire. Waouh. Je serais presque tenté de consommer mon médoc maintenant pour libérer la place. Surtout que c'est lourd, ça. Et voilà, je vais prendre les, hop, les balles de fusil incendiaire. Et ben, dis donc. La terre de la liberté. Land of the free. Ok. Ok, ok, ok. Bon, je vais laisser gérer. Et je sais pas comment on va gérer Andy. Oh, c'est un hurleur. Alors lui, il faut qu'il meure. Ça craint. Voilà, fallait pas que je loupe, parce que s'il hurlait, ça faisait plus de dégâts que mon tir. Pa, 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 la. C'était un... un tir stratégique. Encore une transmission? Jack, Jack, do you copy? Damn it, man, where are you? You might want to go check it out. Oh! Quoi? À 1,5 km? Mais il peut aller mourir, oui. C'est trop loin, 1,5 km. Au secours, je rentre à la base. Alors j'en connais une qui prendrait des cartouches. Oh, Toruta. Oui, c'est vrai, tu as raison. Miss gros calibre, on est d'accord. Non mais en même temps, voilà, hein, elle est demandeuse. Qu'est-ce que quoi? Il y a beaucoup de zombies derrière moi. Ah oui. Ah oui, merde, il n'y a plus personne à la vigie du coup. Puisque c'était... Oui, c'est bizarre qu'il n'y ait plus de relève. C'est un peu idiot. Ouh. Ah oui, rentre, idiot. Et puis merci de refermer derrière toi. Et ben voilà. Vilain zombie. On te donne 3 balles. Putain, il bouge tellement. Merde, j'ai tiré sur la bagnole de sport derrière. C'est un scandale. Ah, ma bagnole va faire jouer les assurances. Oh, et oh, vilain zombie. Ah oui, bien joué. Voilà, comme ça. Alors, attends, je vais ranger ça dans la base. Je ne peux pas croire que tu veux partir, de nouveau. Come on, Lily, that's not fair. You're right, it's not. We built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. Hey, what's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. C'est vrai. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine. Then maybe you should bail on us too. C'est vrai que stratégiquement, c'est... Ouais. Il a raison. Faut écumer de plus en plus large. Don't say I never gave you anything. Hmm, what you got? Oh, you know. Oh, stuff. You know. Oui, ça part de là, ouais. Merci, Torota. Ouais, ouais. Ouais, non, mais en même temps, c'est logique. Je trouve que la narration et le rythme est logique. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment cohérent comme... comme jeu de survie. Fusée éclairante. Oui, là, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une arme en plus, qui est bien lourde en plus. Les snacks, ouais. Alors par contre, c'est comment je fais pour augmenter son endurance à la Miss? Parce que là, elle est carrément en PLS. La barre bleue, elle est quasiment
faut que je fasse un produit dopant spécial ou... Attends, excusez, dans le... Un petit café peut-être. Ah, elle l'aura pas volé. Ah, le café. Le café l'a redopé. C'est bien. Elle a bien aimé son petit coffee. Ah, de la guarana. Ouh, retire les pénalités de votre résistance max. Ça peut être bon, ça. Ah non, elle veut pas le boire. Peut-être que derrière le café, ouais, elle risque un arrêt cardiaque. C'est un peu une bombe pour l'organisme, ça. Je la comprends, je conçois. Du modafinil, j'en ai deux. Ah, ça créerait une dépendance. Ouais, faut pas en prendre souvent. Ouais, si j'utilise le modafinil. Ah oui, ça va beaucoup mieux là, après le café. Voilà. D'accord. Bon, on va éviter de faire un cocktail explosif pour l'organisme. Là, elle est largement bien rétablie. C'est bien, elle se sent mieux, la Miss. C'est cool, c'est pas les armes qui manquent. Oh, punaise. Oh, wow, le fusil. Ça, c'est carrément une mitraillette. Oh là là, une copie de la Seconde Guerre mondiale. Hey, quoi? Ouais, c'est ton embout. Transmetteur balise. Ah, c'est là. Tiens, ça a bougé. Tout à l'heure, on l'avait là. Là, c'est tellement proche que je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, j'ai pas pris de médoc, mais en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai pas de... plutôt en bonne santé. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Vas-y, voir qu'on y aille. Attends, je prends le risque d'y aller en solo. C'est où? C'est par là-bas? Mince, j'ai pas pris la bonne option. Ouais, c'est par là-bas. Attends. On va éviter de faire des efforts inutiles. Là-bas, il y a un poteau électrique, mais je pense pas que... Ouf, il y a une horde là-bas. Non, c'est plus sur ma gauche. Il y a une horde à ma droite. Oh, attention, les buissons. Oh, attends, il y a un mec. Oh, mais c'est un cimetière. Mais c'est bizarre, le cimetière, il est même pas... Il est même pas clôturé. Ça fait bizarre de voir un cimetière en... À la sauvage. Ah oui, il y a un zombie dangereux là. C'est pour ça qu'il m'était signalé. Merde, j'ai loupé le coupier. Ouf, c'est comme ça qu'on fait. Non, l'arbre est... L'arbre, c'est... Non, c'est pas le signal quand même. Ah, on est d'accord. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'ai un point de repère, cet arbre. Je sais pas où. Ah oui, attends. Ah oui, mais attends, mais il y a des sacs. Qui c'est qui a posé le bagage? Attends, c'est du délire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du signal radio? Il y a l'air d'avoir... Oh! Nice. Oh! Ah, attends, je vais fouiller... On garde un œil sur ce qui se passe. N'oublie pas que c'était un survivant qui se fait bouffer par des zombies ici. On voit quelqu'un courir distinctement. Eh, mais c'est le pactole, moi. Ça va, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Ah! Alors, il faudra peut-être que je revienne avec des molotovs. Parce que là, ils sont un peu nombreux.
Oh, il m'a vu, lui. J'aurais dû prendre des molotov. Waouh, on a un gros problème. Transmettez attention dans vas-y en voiture car très dangereux. D'accord. Il faut y aller en bagnole, super dangereux. Ok, c'est quoi ça? Encore? Attends, il y a un zombie, mais il y a un sac abandonné. Merde, le zombie m'a entendu fouiller dans le sac. Pas bouger, zombie, pas bouger. Quoi? Kit de préparation au désastre. Ah, c'est des médocs. Attends, je vais m'occuper de la zombie. C'était votre sac, madame? Ah, navré de la prendre, maintenant c'est le mien. coffee. Attends, je vais ramener dans le frigo. Oh, une massue. Oh, le Fuji. Mais je vais être chargé trop lourd, je peux pas tout prendre. Remplir le sac à dos. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Ouf. We'll be ready. Attends, ce sac là il est hautement important stratégiquement. Il faudra que je revienne. Attends, la base elle est où? Je suis en train de perdre mes repères. Ok, il faut que j'aille par là-bas pour rejoindre la base. Transmetteur, attention, vas-y en bagnole car très dangereux. Ouais, j'ai vu la horde de zombards dessus. Ouais. Mais excuse-moi, mais tu fais un dégommage, un strike avec un bon cocktail Molotov. Le gain est net, quoi. Mais oui, ça se prépare, ça s'improvise pas. Je suis d'accord, Torota. C'est sûr que c'est extrêmement dangereux. Vu le nombre de loustiques en furie, là. How's it going? I'm almost there. Je viens de boire un coup, ça fait du bien. Oui, elle a un accoutrement, la miss. Enfin bon, bref. Alors, il faudra que je repasse prendre du matos parce que les armes sont super intéressantes. Oh, you know. Waouh! Vous vouliez les flingues? Oh, voilà! Oh là là, le matériel, c'est merveilleux. Alors, Molotov. Ne me dis pas que j'ai pas de Molotov, avec tout ce que j'ai ramené. Bombe incendiaire. Ah, c'est pas pareil. Bouteille d'alcool avec un chiffon dedans. Et ça, c'est de l'essence. Ouais, mais c'est un équivalent. Je veux bien en prendre deux. Je pense que deux suffiront à mon assaut. Et Torota, tu me dis d'y aller en bagnole. Alors, je vais peut-être prendre des médocs si ça tourne mal. I could use some food. Merde, mais pourquoi son endurance descend aussi rapidement? Ça me rend fou, ça. Rebois un café, ma grande. Bon, je sais qu'elle n'arrête pas depuis deux jours et deux nuits, là, quasiment, mais quand même. Ouais, c'est dommage que l'imitaire veuille pas aider. On leur a demandé leur pilule qui permet de tenir un raid, un assaut, un siège pendant 72 heures. Ça existe, hein, en vrai. Je sais plus, j'avais entendu un documentaire avec... Alors, je pense que c'est les militaires qui ont ça, le GIGN. Le raid, je sais pas s'ils ont droit du côté de la police d'avoir ça. Mais il existe une pilule pour les militaires pour qu'ils arrivent à ne pas dormir et qu'ils restent vigilants pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée, 72 heures. Après, morphologiquement, au niveau du cerveau, on n'a pas le droit d'aller au-delà parce que c'est dommageable pour l'organisme. C'est largement compréhensible. Hein.
Je vous rappelle que le manque de sommeil rend fou. Vous finissez par avoir des hallucinations. Parce qu'en fait, le cerveau a besoin de faire un cycle de nettoyage chimique, entre autres choses, pendant les phases de sommeil, biologiquement parlant. Alors attends, la question est quelle bagnole ? Tu veux pas salir la bagnole de sport ? Elle est trop bien. Oui, hein, on est d'accord, j'avais bien vidé le coffre. Donc je fais la mission du transmetteur et puis j'arrêterai le jeu là. Oh merde ! Alors je me vante d'avoir une voiture de sport. Et je l'emboutis en faisant marche arrière avec un autre véhicule. Tout va bien. Je sens qu'il va y avoir de la fraude à l'assurance dans l'air. Je suis nul. Ouh. Attends. Alors, c'est suffisamment clairsemé. Mais pour passer en véhicule comme ça, vas-y, toi. Ah bah tiens, il n'y a plus grand monde, là. Bah, ils sont barrés ou c'est moi? Ah non, les revoilà. Et allez, j'ai un zombie. Et là, tu montes à bord et tu te barres. Vite! Accélère! Ah! Aïe! Ah! Allez, prends-toi là. Voilà, très bien. Horde de zombies tués. Ah bon, j'ai gagné? Ah oui, je suis fou. C'était l'attaque frontale. Comme ça. Oh, j'ai gagné. Ah non, mais j'ai gagné. Eh! Ma stratégie a payé, je suis désolé. Tiens, il y a un témoin pour dire que j'ai gagné. Ah! Oula, attention, c'est un ancien militaire qui a encore son armure. Ah, oh, vache, j'ai hésité à me débarrasser de lui et à tirer dans sa tête. Merde, il y en a un autre. Bah, je vais tirer dans sa tête là parce que j'ai plus de. Non, ça marche pas. Non ! Ça craint. Bonjour Poupon, j'espère que tu vas bien. Oui, Glandouille, ça. Oui, oui, bah oui, ça arrive, oui, tu m'étonnes. Ah, mais merde ! Alors regroupez-vous et mangez du Molotov, bande de vilains. Alors pas sur la bagnole, évitez. Oula. Merde! Oh là, c'est risqué ce que je fais. Mais attends, mais il est super habile lui. Non, non, elle va se faire choper, elle va se faire choper, elle va crever. Ah putain, c'est pas vrai. Ah, j'ai pas pu regagner le véhicule, je suis à côté. Et bah voilà, et bah voilà, et bah l'épisode va se terminer là-dessus. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Ah, ils ont fait dans le détail. Ah, c'est horrible. Ah, c'est atroce. Ah, quelle horreur. I know that losing a friend hurts. But we can't block it out like it never happened. Our memories are the only legacies they can leave behind. We owe them that much. C'est dommage parce que ma première approche était bonne. Hein. Le coup d'y aller comme conseiller Torota d'avoir la bagnole pour me barrer. Et ma première bombe incendiaire, j'ai fait un strike magnifique, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sont pointés. Donc c'est chiant. C'est chiant.
C'est quasiment imprenable, les émetteurs. Ah oui, ça va, Poupon. Ah là 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 là. Ah ouais. Oui, tiens, hey, tu fais bien de jouer l'option Bastos de rajouter ta commande sur le canal. Alors je vais le noter que tu puisses faire valoir ce droit là. Il y avait deux personnes par avance qui avaient pris la commande. Faudrait que je relise mes notes. Il y avait Saul Goodman. Il y avait... Je pense que c'était pas Torota. Faudrait que je relise mes notes de coulisses, parce que j'avais noté qui m'avait acheté le truc. Donc là, il faut que je retienne, il faut que je note Bastos, t'as acheté ta commande. Ok. Et puis, dès que t'as une idée, une envie précise, tu me le dis, hein. Ça peut être du texte, ça peut être du son. Ouais, ça fait pas mal de points. Bon, oui, non, mais ça reste exceptionnel, une commande. L'achat d'une commande. Ah la vache, c'est terrible cet épisode. On finit sur le quick de la miss. Quel dommage. Ah, je l'aimais bien la miss, elle était douée. Mais ce jeu est terrible. Et du coup, bah, on stagne à 9 survivants. Hein. C'est pas facile d'avoir plus de survivants. Mais au fur et à mesure, j'apprends. J'apprends. Et non, c'est bien, franchement, bravo. Alors je vais vous mettre les clips parce que je vais aller me rafraîchir. Hein, je vous cacherai pas que je vais carrément me prendre une douche. Parce que là je suis en train de rôtir à feu doux. Juste une annonce vocale pour pouvoir m'annoncer le reste. Je te laisse mettre du choix. Bah tu me diras quel son tu veux. Sachant que, attends, Bastos, je distingue ta commande là, tu vois. De bientôt t'auras ton intro comme tous les VIP. C'est juste que j'ai pas continué à faire les sons VIP. Il y a, voilà, tous vous devriez avoir le vôtre bientôt. Christella, Nayonet, je sais plus, j'en ai oublié. Petit Seb aussi. Il faudrait que je lui fasse un truc. J'ai suffisamment d'audio vous concernant pour vous monter une intro. Il faut juste que je prenne le temps de le faire, en fait. Je vais vous mettre les clips et puis je vais essayer d'astucieusement de... Il me faudrait un navigateur pour surveiller l'arrivée des orages. Que je me regarde ça. Voilà, la carte de la foudre, vous voyez, Kéronos. Kéronos. Ah ! Chez moi, ça pète. Ça tourne autour de ma ville, vous voyez. Ah ! J'espère que... Alors, vous voyez, je pourrais potentiellement couper... Tiens, c'est rare. C'est rare dans ma région d'avoir un orage qui part du nord pour aller vers le sud. En général, c'est l'inverse. Ah, Poupon. T'es déchaîné, Poupon. Avec 50 000 points, je peux avoir une voyelle. Oh, la suite du programme. Eh ben, je t'avouerai que je sais pas. Si certains ont envie de faire un jeu en commun d'ici un quart d'heure, pourquoi pas. N'hésitez pas à débattre entre vous dans le chat ou dans un salon commun là de voilà de clavardage. Attendez, je regarde la carte au niveau de l'orage. Celle-là, il faut pas la louper. Ça me tourne autour, vous voyez. Faut que je fasse gaffe, faut que je surveille les orages. Je rappelle que j'en ai eu un ce matin. Hein. J'en ai eu un ce matin. Alors, je vais vous mettre les clips. Je vais partir me rafraîchir et je reviens dans un quart d'heure. Boire un coup, peut-être manger un petit morceau rapide, là, histoire d'avoir un pseudo goûter. Voili, voilou. Ah, dans un quart d'heure. Hi, t'es déchaîné, Poupon, ça fait plaisir à voir. Zoubi, zoubi. Ah, je sais plus, la scène des compilations, elle est là. Voilà. Voilà, voilà, allez-y. La Gypsy King, il joue aussi dans les enfers.